J'ai fait caca! Oh, j'ai fait caca! Mais je suis écoeurée! John! Qui veut des enfants quand t'as John dans ta vie déjà? Ça suffit amplement! Caca! Ok, la dernière fois que j'ai vu ces deux personnes, je partais au Canada et toi tu avais loupé sa coiffure. Ah non, c'est l'inverse, toi. C'était lui. Ok, attends, non, je vais donner vos noms et tout parce que ça va être compliqué. Ah non, ça va être encore plus compliqué parce que vous avez tous les deux allemands. C'est l'enfer, vas-y, j'arrête la vidéo. Voici Robin, voici LG, c'est mes amis d'enfance. La dernière fois que je les ai quittés pour partir au Canada, LG avait loupé la coiffure de Robin et je pense qu'aujourd'hui il est temps de remettre les pendules à l'heure. Tout à fait. LG, t'es prêt? Il y a un poil bizarre par contre sur ta tondeuse. Ah, ah non, c'est mon père ça. Ah, c'est mon père, c'est sûr. Non, en vrai, promis. Moi j'ai des entretiens d'embauche et tout. Hein. Tu vas postuler dans quoi? Bah, je sais pas, mais. Après, on peut te trouver un travail, sinon c'était plus simple. Vous faites pas du taf, putain. T'es prêt? Ah, mais. Ah, bah, ça va pas être une grosse vengeance. Hein. Ça fait combien de temps qu'ils avaient loupé les cheveux? Je dirais 7 ans quand même. Ouais, 6-7 ans. Là, t'as encore de la rage en toi? Ah bah oui, parce que j'ai dû traîner pendant 2 mois en bonnet. Heureusement, c'était en février. Pendant 2 mois, j'allais à la fac en bonnet. Et il y avait une prof qui pensait que j'avais un cancer. Alors, tu parles. Si ça te fait mal, tu me dis pas. Tu me dis pas. T'es content? C'est tout beau jour de la vie. Tu vas commander pas du coup? Ouais, c'est pas. Je vais faire. C'est génial. Aïe. T'es sérieux? Mais non. Tiens, on a fait des tresses à mon frère. Et on dirait une coccinelle. On dirait... Pourquoi on dirait une coccinelle? Il est tout à l'heure, mais en fait, il a l'air d'une coccinelle, pas de co-balader, en fait. Il se pense pas, il est comme ça, on dirait une petite coccinelle qui danse. Au final, c'est une coccinelle. Il est déçu. T'es déçu. Bah oui. Mais t'es coxyladé. C'est la coccinelle. 1, 2, t'as 2 ans. Ah, t'as 2 ans. Non. Tu fais pitié, t'as 2 ans. Ah, tu faisais ça toi avec la coccinelle. Mets-toi tout nu, on va regarder tes points. Non, j'ai été nu dans une vidéo. Ça m'a gratté le cerveau, moi j'ai détesté. Roman, elle est addict maintenant au test PCR. Moi j'ai adoré ça. Oui, je sais, j'ai compris, Roman. John, sur une note de 8, qu'est-ce que tu fais? Oui, un rendez-vous pour un nouveau test PCR, c'est pas. Roman, arrête, non, c'est bon, on l'a non, fait, non. On l'a fait, Roman. Ça devrait aller, mais Roman, on l'a fait. Dans une heure. Annulé, annulé. Dans 5 minutes, c'est possible. Annulé. Et ben voilà, Armand regarde du porno. Mais... Et t'as pas l'âge de regarder ça, ok? Armand, arrête de faire ça. T'as un problème mental là. Sur Coximber. Non, non, là c'est pas Coximber, c'est Coxeb. T'as inscrit sur Coxeb. Viens me follow, Coxiladé, les gars. Ok, on est au ancien collège de Roman, regardez là, elle est trop contente. Vous voulez voir où j'ai pété? T'as pété où? Là-bas, ah dans le gymnase, quand j'étais plus petite. Il y a encore les barres parallèles et tout. Ah ouais? Oui, oui, oui. Venez, suivez-moi. Ça m'intéresse pas d'où, quoi, j'aimerais bien rentrer là. Tu préfères rentrer à la maison que regarder où Roman a pété? Bah, je suis désolée, mais ouais. Elle est v'là contente d'aller à l'endroit où elle a pété. J'ai jamais vu ça, pourquoi elle est contente comme ça? Elle court jamais d'habitude. Ça, c'est vraiment mon gymnase du paix. C'est le gymnase du paix. Ah, bah d'ailleurs, ils l'ont renommé, regarde, le gymnase du paix. Le gymnase du paix. Ok, c'est le départ. Donc là, les valises sont presque prêtes. Et Roman. Roman, tu fais quoi? Ah, non, c'est. T'as un problème, laisse ça tranquille. Elle fait quoi? Regarde. Elle fait quoi? Je vais devoir t'emmener en cure de désintox. Ça, pour le moment, test PCR. Laisse-moi encore un peu de temps. Et que c'est ça? C'est un sacré gros dentier, ça. Tu vas enlever tes tresses? Ouais, je pense que je vais les enlever. Tu vas te transformer? Pourquoi? Ouais, il faut le stade. Ça se transforme pas en papillon? Bah si. Encore beau, peut-être. Encore beau, ouais. Ça c'est pas. T'as dit que t'allais au lycée? Mais ça, pas là. Il a trop mal pris. T'as juré, t'as craché. Hein? T'as craché par terre? Déjà, tu craches pas par terre, quoi, c'est dégueulasse. J'ai pas craché. Mais de toute façon, vous connaissez rien, de toute façon, c'est bon là, garde-la. T'es une coccinelle ou quoi? Bah oui, mais c'est pas facile à accepter. Mais arrête ta crise de coccy adolescent là. Une chenille, si tu veux faire rêve. Une chenille, hein, toujours pas, John. Toujours pas le bon animal. Vous voulez combien de viande? Rien. Là, vous pouvez voir, il y a tous les animaux que vous pouvez manger. Il y a aucun truc vegan. Si, il y a les falafels, c'est vegan. Ah oui, mais non. Mais moi, je prends les falafels. Hein, non. Quoi? Je suis obligée d'acheter de la viande. Pourquoi? Parce que c'est le titre de ma vidéo. Ah, mais qu'est-ce qui pue? Mais c'est la pluie. Ça sent les pieds. La pluie sent les pieds. Je pense que c'est plutôt ça.
Ah ouais. Ah ouais. Ok, guys, on a commandé au tacos pour la première fois et on est végétarien donc. Ouais, Diane elle a de la raclette dessus. Et dessus ou dedans? Le fromage, frérot. Non. Moi j'ai tenders et sauce cheddar. Ok, bah c'est parti. Regardez, mais regardez les gars. Oh. Allez-y. Ok, je goûte la raclette toute seule. Mais pourquoi j'ai mis des fruits dedans? Ce serait meilleur si les fruits étaient en dehors. Mais oui. Non, ça sert à rien de mettre des fruits dedans. Ah. Parce qu'après, dans mon estomac, ça va être comme ça déjà de base. Dans le coussin, j'aimerais bien dormir dessus. J'essaye, ok? Allez-y. Moi, j'aime pas. Il y a trop un goût de fromage dedans. Oui, il y a une sauce fromagère de base. Fromagère. Mais pourquoi ils mettent ça dedans? J'ai pas demandé. Ça devient un anti-fromage, mange du fromage. Toi, ça me dégoûte ton truc. J'ai honte, genre, de manger ça. J'arrive pas à savoir si c'est les pieds de quelqu'un ou si c'est ce que je mange. Mais toi, il est hardcore le tien. Je te jure, je rote jamais, je suis à deux doigts de roter. Ah non, hein? Tu te rôtes dedans? Je me rôte dedans pour pas vous rôter dessus! Mais va dehors! J'en veux plus. Excuse-moi, je me sens pas bien. Oh non! D'accord. Ah ouais, ça va plus. J'ai jamais fait trois rôtes de ma vie de suite! Je te dis, quand j'ai arrêté de manger, direct j'ai rôté, je rôte jamais d'habitude. Attends, si moi je me mets à rôter, là il y a un problème. Non, je vais pas rôter. Y'a un nerf! Non! C'est ça! Attends, j'ai mes porcs qui suent là. Y'a de la raclette qui sort. Bah oui! Oh non! On fait du bruit! Non! Non, man! Non, mais on fait ça là! On fait ça là! On veut faire ça à deux! Mais tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça dans un coin? Bah parce que! On devrait faire ça à deux! Tu finiras tout seul, LG, mais je pense que devant il faudra que tu fasses un blanc. Bah du coup, tu finiras tout seul, t'auras plus jamais personne dans ta vie! Non, le propagande!